Bonjour à toutes et à tous, c'est 101%, aujourd'hui c'est mardi et c'est Davy qui présente. Voilà. C'est comme ça depuis presque 2 ans maintenant. Tous les 2 jours à peu près, paf, je peux pas m'en empêcher. Salut, c'est 101%. Puis encore si c'était que ça, mais en plus je me sens obligé après de balancer le sommaire. Alors vu qu'on est mardi, y aura un reportage, et il y aura le temps perdu, et puis Retro and Magic, et on commence avec les news. Voilà. Depuis 2 ans. Les poupées de chiffon de Little Big Planet ont encore trouvé une bonne excuse pour se grimer. En effet, pour fêter la fête nationale irlandaise, Sony met à disposition un costume gratuit de la Saint-Patrick. Le Sackboy sera donc tout de vert vêtu avec un joli collier de barbe roux, idéal pour fêter la Saint-Patrick sobrement. On l'attendait avec impatience cette annonce, tout simplement parce qu'il s'agit du second titre développé par BlackRock pour Disney Interactive Studios après le très bon Pure. Le studio anglais reste bien sûr dans le jeu de course, son genre de prédilection avec Split Second. Ok tout le monde, on est en direct, restons concentrés. Préparez la caméra 2. Orienté action, ce jeu se déroule dans une ville sur le point d'être détruite, où tous les coups sont permis, y compris pulvériser les décors pour freiner ses adversaires ou créer des raccourcis. Être spectaculaire sera même conseillé, puisque la ville de Split Second est en fait le cadre d'une émission de télé-réalité. Avec un pitch pareil, on pense un peu au Roll Cage de Psygnosis, sorti sur PC et PlayStation en 99. Mais pour se faire une idée, il faudra encore attendre un peu, Split Second n'étant prévu que pour début 2010 sur Xbox 360, PS3 et PC. L'eau a été déclenchée par le conducteur numéro 1. Le conducteur numéro 95 active les poutres. Suikoden Tear Crisis est un RPG spin-off de la série Suikoden, prévu uniquement sur DS. Il sort en France en fin de semaine et propose quelques différences notables avec la série d'origine, comme le fait que seuls 4 personnages soient jouables en combat contre 6 habituellement. L'équipe de départ se compose du héros, un jeune tout fou, de Jail, plus posé, de Marika, la fille du chef, de Dirk, un combattant émérite, et du mystérieux Liu, arrivé il y a quelque temps dans le village de Citro. Les artworks des personnages qui apparaissent à l'écran lors des dialogues sont très réussis, tout comme les décors 2D absolument magnifiques, l'écran du haut proposant d'ailleurs un visuel de toute beauté de la région traversée. De nombreux dialogues sont interprétés de belle manière en anglais et sous-titrés en français. Oh, something's glowing over there. Hey, you're right. Très speed, les voix ajoutent un plus incontestable aux artworks et permettent de très vite se faire aux personnalités de ces personnages. D'autant qu'ils seront nombreux. Le jeu reprend en effet le système des 108 étoiles du destin. Il sera ainsi possible de recruter 108 guerriers au fil de l'aventure. Le jeu s'articule autour d'un système de missions. La première étant de débusquer des lagartes, des monstres devenus soudainement particulièrement agressifs et qui commencent à attaquer les villages alentours. Les combats tout en 3D se déroulent de façon ultra dynamique et permettent d'apprécier un peu plus le design des personnages SD en 3D, plutôt petits et brouillons lorsqu'ils se déplacent dans les décors 2D. Suikoden Tear Crisis bénéficie également de superbes cinématiques sous la forme de petits dessins animés. Après quelques heures de jeu, on est sous le charme et impatient d'en savoir plus sur ces histoires de mondes parallèles où chaque être posséderait une multitude de doubles. Des mondes reliés entre eux par des portes à travers lesquelles des créatures devenues invincibles pourraient passer. Et puis quel est donc ce mystérieux livre libérant des souvenirs étranges ainsi que des pouvoirs inconnus chez certaines personnes ?
Bien sûr, il y a toujours le problème d'identité, savoir qui on est, qui on veut être. Est-ce qu'on s'est trompé de chemin? Est-ce qu'on a eu raison de faire telle ou telle chose? Est-ce que se faire plaisir à la télévision, est-ce que ça vaut tous ces mails d'insultes? Je sais pas. On regarde un reportage sur Hitlid. C'est un personnage de jeu vidéo qui... en fait, ils ont inventé un personnage de jeu vidéo qui serait en 2D dans les années 80-90. Et en fait, c'est son retour en 3D. Mais ce personnage n'a jamais existé et l'histoire est partie de là. Vous croyez que c'est important de dire ça? Vous croyez que je change la vie des gens comme ça? Ça mène à rien. Jouer à un jeu vidéo, ça mène à rien. C'est juste une toute petite victoire sur la vie. Ça dure quoi, 12, 20 heures? On est à fond dedans, on oublie les emmerdes du quotidien, et puis... Puis à la fin, il y a toutes nos emmerdes qui nous viennent en pleine gueule. Oh, c'est pas vrai, un tutoriel. Je déteste ça. Ça fait 20 ans que je fais ce métier, alors je sais me servir d'un flingue. Annoncé pour fin mars, Hitlid The Return of Matazard est un jeu d'action à la troisième personne, cover-based et rafraîchissant. Développé par le studio américain Vicious Cycle, fondé en 2000 et auteur de Spy vs Spy sur Xbox et PS2, ou plus récemment de Dead at Fred sur PSP, ce jeu d'action joue en effet des conventions du genre pour se payer sa tête avec humour. Mais pour comprendre les intentions de Hitlid, il faut d'abord connaître son héros, Matt Hazard. Je m'appelle Hazard. Matt Hazard. À une époque, j'étais un des personnages de jeux d'action les plus célèbres. Matt Hazard is the 80s action game hero. He has been around since the arcade days, the 8-bit days, 16-bit days. He's been around forever. And Matt has, you know, been given his chance now to start anew, start on the next-gen consoles and really give it his all and be the star again. J'ai commencé ma carrière avec des petits rôles pendant les années 80. J'avais plus de puissance que de pixels. Au début des années 90, j'ai signé un contrat avec Marathon Software pour le rôle principal de leur premier FPS. Matt Hazard 3D a fait un carton. Et ça a été le premier d'une longue série. Aussi longue que... Bref, ça a été une très longue série. Well, the scenario of the game overall is that Matt has, again, he's been around. He's the 80s action game hero. He's made many, many games in the past. And the company that he worked for kind of eventually, you know, went downhill. And so he's been out of work for a while. So the company gets bought up again, and they come to Matt and say, hey, we want you to be the star of this brand new game, next generation, come do it, this'll be awesome. So Matt signs up, he really wants to do it. And then he comes to find out that the company isn't all it's cracked up to be. They actually want to get rid of Matt Hazard. So now he's got to play through his game because that's what his contract says, and make sure that the company doesn't get to him. Je suis de retour. Sauf que cette fois, j'ai le rôle d'un détective qui suit ses propres règles. J'embarque pour une nouvelle aventure qui s'annonce exotique. Avec, pour commencer, un resto japonais. Bon, remarquez, faut bien commencer quelque part. Matt Hazard, même s'il est d'abord grimé en Hitman, n'est pas sans rappeler par son bagou et son sens de la formule abrupte un certain Duke Nukem. Mais les références de Hitlid sont loin de se limiter aux jeux d'action pour au contraire embrasser de nombreux genres. Du coup, Vicious Cycle profite de cette production pour prendre un peu de recul par rapport à l'industrie et livrer un titre jouant la carte de la mise en abîme poilante. We wanted to create a game that not only had a bit of humor to it, because it's kind of, you know, Vicious's forte, they do that quite often, and really, they're very good at it. And also wanted to create a game that has a stance in gamer history and really shows off where we all come from, show off the humor, show off some of the things that games really are and games have come to be. Je m'appelle Sonny Tang. C'est Sonny, comme dans Tu vas te faire Sonny les cloches et Tang, comme dans Wu-Tang. Bon, de toute évidence, c'est pas toi le cerveau des opérations.
Pour parvenir à développer le personnage de Matt Hazard, ses répliques, les personnages croisés et le contexte délirant du jeu dans le jeu, Vicious Cycle a fait appel à l'une des plumes du milieu, Dave Ellis. Dave est d'abord un game designer ayant participé au développement de la série XCOM et de nombreux titres pour Vicious Cycle, dont Dead at Fred. Mais c'est également un scénariste écrivain à l'origine de nombreux guides, dont The Official Price Guide to Classic Video Games. Un touche-à-tout passionné de Star Trek, d'astronomie et un collectionneur de bornes d'arcade qui, avec Itled, s'est clairement amusé à mettre à profit sa connaissance du jeu vidéo. Dave Ellis is the scriptwriter for Matt Hazard at Itled, and he is a Writers Guild award winner in the US, and he did wonderful work on Deadhead Fred for the PSP. And we are very happy that he could hop back on board to write the script for Eat Lead, because it means that this game is going to have a lot of humor to it for everyone, not only gamers, but for, you know, people that don't even play video games very much. It'll have humor for everyone. Kisk. Non mais t'es qui, toi? Ton pire cauchemar! Sauf qu'on est en plein jour et que là, tu rêves pas. Ah oui. Tu ferais mieux de... Hein? Ta vie s'arrête là! Prépare-toi à rejoindre les morts! Je ne sais pas qui a écrit tes répliques, mais on n'est plus dans les années 80. Techniquement, Itled, ce n'est pas un Gears of War. Mais son personnage principal, son humour, son scénario et quelques idées originales, comme le fait que l'environnement et les ennemis puissent changer en un clin d'œil en étant hackés en temps réel par un mystérieux programmeur, font de ce titre une bonne surprise. Mais on se fera une idée plus précise de ce jeu d'action next-gen au moment de la critique, diffusée dans un prochain 101%. Ok. D'accord. Allez, tu pourrais pas résumer? Désolé. Bon, voilà. Ah, je préfère ça. Alors là, docteur, je pense qu'on touche au fond du problème. Parce que... Et maintenant, on va regarder Temps perdu. Temps perdu. Chaque fois que je présente cette émission, à chaque fois, je sais même plus pourquoi j'existe. Temps perdu. Tout est là. Vous savez, dans la vie, il y a plein de choix possibles, il y a plein de directions. Quand tu mets tes mains en face de toi, comme ça, ben ça, c'est déjà... Il y a 10 choix de chemins différents, de réponses différentes. Et en fait, il faudrait multiplier mes mains par 10 000 mains pour avoir toutes les possibilités. Et après, au final, on ne sait plus quel chemin on doit prendre, pour quelle vie avoir. Est-ce qu'on doit défendre les jeux vidéo? Est-ce qu'on doit arrêter de jouer aux jeux vidéo parce que maintenant on est un adulte? Un adulte d'un mètre 60? Bonjour, la technologie c'est formidable. Et ça, vos charmants enfants l'ont bien compris. Alors que faire durant vos heures supplémentaires? Bienvenue dans Temps perdu. Tu as été des milliers de milliards à me poster des messages d'encouragement sur le forum et, du coup, j'ai la pêche, la patate, la banane, la frite, bref, c'est l'éclat total. Alors cette émission t'est dédiée à toi, oui, toi, mon milliard de fans. Une émission spéciale donc où pléthore rime avec plein de jeux et où tu vas t'en prendre plein les mirettes comme on dit dans notre jargon quand on ne sait pas quoi dire. Et comme tu connais l'émission par cœur, tu vas être transporté de joie en apprenant que le génialissime Yoshio Ishii vient de sortir un second épisode de Cursor 10. On rappelle le principe, vous devez collaborer avec vous-même en dirigeant un curseur dans un labyrinthe dans un temps limité. Le but de cette première manœuvre étant de préparer le terrain pour vos futures incarnations. Pas évident à expliquer comme ça, vous ne devez savoir qu'une chose, jouez-y. Mais rassure-toi, mon million de fans, je sais qu'avant tout, ce que tu apprécies au plus haut point, c'est ma kawaii attitude. Avec PandaStar, tu ne seras pas déçu. En effet, quoi de plus kikinou qu'un panda qui cherche à atteindre les étoiles? En plus, le panda, il nage carrément dans les airs pour éviter de tomber.
et même que si on appuie sur espace, on peut utiliser l'un des trois boosts mis à notre disposition. Et que en plus, quand on rate notre coup et que le panda il se casse la tronche par terre, et il reste toujours aussi mignon. Mais, chers centaines de milliers de fans, je sais aussi que trop de mignons tue le mignon, et que parfois, ce qu'il te faut, c'est un bon jeu idiot dans lequel on tire sur tout ce qui bouge. Bon, ok, dans Crackshot, il n'y a pas grand chose qui bouge, mais au moins, tu peux te permettre de tirer dans tous les sens. Bon, quoique. Il s'agit ici de dégommer un maximum de cibles en un minimum de temps et un minimum de coups. Certaines structures peuvent faire rebondir vos balles, d'autres les stopperont, et vous devrez donc faire preuve d'un peu d'observation pour devenir le meilleur tireur de l'Ouest, et ainsi embrasser la pauvre demoiselle qui avait dû être enlevée ou séquestrée ou je ne sais pas. Ah, ma dizaine de milliers de fans, je sais aussi que tu surkiffes les bons jeux de plateforme qui déchirent, et pour toi, rien que pour toi, j'ai de bonnes nouvelles aujourd'hui. Commençons par Azaya, mission Bornéo. Vous incarnez une sorte de tigre écolo, vengeur et justicier qui doit délivrer les animaux de la forêt. Vous bondissez de branche en branche en utilisant vos super pouvoirs et combattez les infâmes forces du mal qui détruisent peu à peu notre écosystème. C'est beau, sympathique à souhait, mais reconnaissons-le, pas aussi bien que le légendaire Fancy Pants Adventure de Bradbourne. Mais ça tombe bien, car je sais que tu aimes mes transitions foireuses, oh toi mes milliers de fans, et surtout parce que Bradbourne justement a apporté la touche finale à son Mirror's Edge 2D. En effet, ce génial développeur de la toile a adapté en 2D le bondissant jeu de Electronic Arts. Eh ben, c'est tout pareil, c'est beau, fun, maniable et surtout pas évident à prendre en main. On passe donc pas mal de temps à se jeter dans le vide, mais ne boudons pas notre plaisir car cela reste une très belle réussite. Un peu courte, mais une réussite quand même. Et, chers centaines de fans, comme je sais que certains d'entre toi sont aussi vieux que moi, je te livre à présent un titre au bon goût rétro comme on les aime. Derrière ces allures de Rick Dangerous, Spelunky est bien plus complexe qu'il n'y paraît. À grands coups de cabrioles, de bombes et autres joyeusetés, vous devrez récupérer un maximum de trésors et tant qu'à faire, sauver les jolies blondes qui se seront perdues dans la caverne. Mais, ce que tu aimes le plus, mes dizaines de fans, c'est bien les avant-premières. Alors, je te propose en exclu mondial de mon appartement, les premières images de Kung Fu 2. Ce remake super hardcore du cultissime Kung Fu Master est encore en développement et devrait sortir courant 2009. Et comme tu es décidément le meilleur de tous, mes quelques fans, je te propose sans en avoir les images d'aller t'essayer au fantastique, que dis-je, au merveilleusissime Quake Live. ID Software nous offre là tout le plaisir de Quake, en version gratos, sur le net, et sur vos navigateurs préférés. Et oui, tout ça pour toi. Oui, toi, mon unique fan. Mais sache que si j'avais eu le temps, j'aurais encore pu te parler du mélodieux Music Catch 2, du mortellement drôle Bloody Fun Day, du squelettique Death vs Monsters, du pétaradant Drift Runners, ou même du ninjesque Bouja 3. Tellement de belles choses qui seront occupées durant des heures entières, et ça tombe bien car tu sais, oh mon fan, il ne faut pas oublier que... Pour gagner plus, joue plus. Et le pire, c'est de se souvenir, c'est les souvenirs. C'est se rappeler quand on était gosse. Quand on était gosse, c'était tellement bien. On n'avait pas peur de la mort. Les vacances d'été, mais ça durait que 2 mois et on avait l'impression que ça durait 4-5 mois. Toute la journée, on jouait, on regardait Croque Vacances. Et maintenant, on doit laver son linge, faire la vaisselle, payer des impôts. C'est comme les gens qui jouent à Donjons et Dragons. C'est ce qu'il y a tout de suite dans Retro and Magic, Donjons et Dragons. Les gens qui jouent à ça, c'est pour échapper à la réalité. Et après, les gens ils vont dire que c'est des gens qui vont tuer d'autres gens. Non, c'est juste des gens qui savent pas pourquoi ils vivent. Enfin si, ils vivent pour rêver. Mais on a le droit de vivre pour rêver. On n'est pas obligé de vivre pour avoir un 4x4 et un chien. Ou un chien 4x4. J'aimerais bien avoir un chien 4x4. Je pourrais aller partout et puis des fois je l'arrêterais pour faire pipi. Et ça serait un 4x4 qui rapporterait la balle et ça c'est bien. Thank you.
précédent Retro & Magic, nous avions évoqué les différents titres adaptés de la licence D&D, des RPG de SSI aux Beat'em All de Capcom, en passant par les innovations de gameplay de Stormfront Studios. Mais Donjons & Dragons n'avait pas encore dit son dernier mot, et le meilleur restait à venir. Sorti de nulle part, l'éditeur canadien BioWare Corp va mettre un bon coup de pied dans la fourmilière et s'imposer, en l'espace d'un seul titre, comme le nouveau poids lourd du RPG sur PC. Ce titre, ce sera Baldur's Gate. Prenant place dans l'univers des Royaumes Oubliés, sans doute l'un des univers de D&D les plus connus du grand public, Baldur's Gate dépeint une époque troublée. Et le reste est un mystère. Une pénurie de fer envenime les relations diplomatiques entre la puissante cité marchande de la Porte de Baldur et la nation voisine Dam. Le joueur, qui a la possibilité de personnaliser son avatar, incarne un orphelin, au passé évidemment mystérieux, traqué par un colosse en armure noire nommé Sarvok. Mais pourquoi est-il aussi méchant ? Pour le découvrir, le joueur devra parcourir la région de la Côte des Épées et la cité de Baldur elle-même. Baldur's Gate a marqué pour son scénario efficace et bien ficelé, et surtout par les interactions très travaillées entre les différents personnages que le joueur pourra recruter dans son équipe, chacun ayant ses propres motivations, ce qui ne manquera pas d'engendrer des tensions. Gardez vos distances, espèce de sainte nitouche ! La charité me dégoûte ! Allez affiler votre langue autre part ! Certains PNJ sont restés dans la légende, quoique parfois pas pour les bonnes raisons. C'est le cas d'Imoen, la voleuse affublée en VF d'une voix horripilante avec ses mythiques « Moi, je m'en vais !» Le système de combat, en temps réel, est palpitant et rend les affrontements souvent difficiles. Par chance, il est possible de mettre le jeu en pause à tout moment pour planifier ses actions. Quelque chose vous dérange ? Mais la grande trouvaille de BioWare sera son mode multijoueur, qui permet à chacun des joueurs d'incarner un des membres de l'équipe. BioWare créera Baldur's Gate à l'aide d'un moteur maison que d'autres éditeurs pourront à leur tour utiliser pour concevoir leur propre titre. Ce moteur, l'Infinity Engine, est donc le successeur spirituel du moteur jadis conçu par SSI pour la série des jeux Goldbox. La gamme Donjons & Dragons ne propose pas que des univers de fantasy banal remplis de gentils elfes des bois et de nains alcooliques. La preuve avec l'univers Planescape, créé en 1994 par Zeb Cook. Aussi, lorsque l'équipe de Black Isle Studios, déjà responsable de Fallout 2, décide de l'adapter en RPG sur PC, on pouvait s'attendre à un jeu culte. L'univers de Planescape est en fait un plan d'existence connecté à une multitude d'univers différents. Dans la ville de Sigil, à la croisée des mondes, tout peut potentiellement être un portail vers une autre réalité, à condition de posséder la bonne clé, un objet, un mot, une émotion, un souvenir. Hanté par des créatures effrayantes et des âmes perdues, cet univers étrange et morbide fait une grande part du charme du jeu. Tormente met le joueur dans la peau rapiécée du sans-nom, un mort-vivant qui se réveille dans une morgue sans aucun souvenir de qui il est ni de comment il a trouvé la mort. Très vite, il apparaît clair que ce n'est pas la première fois que cela lui arrive et que le personnage semble piégé dans un cycle sans fin de mort et de réincarnation. Aidé par Morte, un crâne parlant à la langue bien pendue, le sans-nom va donc devoir enquêter dans la ville de Sigil pour retrouver son identité et découvrir le secret de son mystérieux pouvoir. Planescape Torment est souvent considéré comme l'un des meilleurs RPG PC aux côtés de Fallout. Tous deux bénéficient d'un univers original, du même soin porté à l'écriture et d'une bande-son mystique et oppressante signée du compositeur Mark Morgan. Beaucoup plus proche de Baldur's Gate, Icewind Dale retrouve les Royaumes Oubliés pour une aventure qui met l'accent sur l'action plus que sur le roleplay. C'est bien simple, avec Icewind Dale, on frôle le hack and slash pur et dur. Difficile, brutal, Icewind Dale prend toute sa dimension en multijoueur. Le jeu se déroule dans les montagnes septentrionales du Val de Bise, une région inhospitalière popularisée par le romancier R.A. Salvatore dans ses livres mettant en scène l'elfe noir renégat Drist d'O'Urden.
Les 10 cités sont menacées par une horde barbare et ce sera aux joueurs de contrer cette menace. Icewind Dale n'est pas très subtil et c'est d'ailleurs souvent ce qui lui sera reproché. Le succès sera toutefois au rendez-vous et une extension, Heart of Winter, permettra aux joueurs n'étant pas encore rassasiés du carnage de poursuivre l'aventure. Très attendu, la suite de Baldur's Gate ne se passe pas du tout dans la fameuse ville, mais entraîne le joueur en âme pour y affronter un sorcier maléfique, Irenicus, qui cherche à s'emparer de son héritage. Le joueur a l'opportunité d'importer son personnage de Baldur's Gate premier du nom pour avoir vraiment l'impression de reprendre l'aventure là où il l'a laissé. De nombreux personnages refont leur apparition, y compris l'un des chouchous des fans, le barbare Minsk, affublé de son hamster de l'espace, Boo. Les interactions entre personnages sont encore plus riches et il est même possible d'avoir des romances avec certains de ses compagnons. Les décors visités sont également plus beaux et plus dépaysants, et l'Infinity Engine gère désormais des résolutions plus élevées, histoire d'en profiter comme il se doit. Baldur's Gate 2 aura droit à une extension baptisée Throne of Baal, qui vient apporter une conclusion épique à cette saga. BioWare reviendra à nouveau dans les royaumes oubliés avec Neverwinter Nights, mais saura aussi démontrer son savoir-faire en dehors du PC et de l'univers D&D avec des jeux comme Star Wars Knights of the Old Republic, Jade Empire ou plus récemment Mass Effect. Après Baldur's Gate 2, ce sera au tour d'Icewind Dale de bénéficier d'une suite. Icewind Dale 2 tirera les leçons des reproches adressés au premier épisode. Une meilleure narration, une intrigue plus intéressante, des combats plus épiques mais moins déséquilibrés, et ainsi de suite. Il en résulte un très bon jeu, toujours axé sur l'action et le combat, mais avec une partie RPG plus travaillée, pour une expérience de jeu, au final bien plus gratifiante. Qui plus est, il faut noter que pour une fois, la version française du jeu est de tout premier ordre, et apporte un véritable plus à l'aventure. Icewind Dale 2 sera le dernier jeu développé par l'équipe de Black Isle Studios. Les ennuis financiers rencontrés par sa maison mère Interplay provoqueront la fermeture du studio. L'équipe se reformera toutefois sous le nom Obsidian Entertainment et continuera de travailler avec BioWare sur de nouveaux projets, comme Neverwinter Nights 2. L'univers Donjons et Dragons n'a donc pas fini d'embarquer les joueurs dans d'épiques aventures. Leur voyage allait les emmener bien au-delà de la palissade de bois. Enfin voilà, docteur, j'ai quelques interrogations sur le devenir de l'être humain et surtout sur moi, vu que je suis un peu égocentrique quand même. Oui, la séance est finie, très bien. Avant de partir, juste une chose. Est-ce que si je vous dis que j'ai envie de faire l'amour à ma mère, vous trouvez ça normal? Oui ? Ah bah. Ah bah j'y vais alors.